une vague de talents français déferle pendant 3 jours sur les rives de la Sirène. On les range sous l'étiquette New Wave, mais nos musiciens n'aiment pas être cantonnés dans des cases, tout simplement artistes libres, créateurs. Deux sont déjà en résidence à La Rochelle. Malik Djoudi, le Poitevin, entame une nouvelle aventure. Je chante en français, chose que je ne pensais pas faire. Ça fait un moment que je fais de la musique et voilà, et l'idée aussi c'est de faire au départ un projet seul, de mettre en musique ce que j'ai dans la tête et voilà, d'être moi-même. Donc on arrive avec du français, l'électro que je prépare chez moi avec mon ordinateur, c'est de me livrer à nu en musique. Un détonateur dans le cœur, une mèche à blanc. Un moteur bruyant. Autre univers, celui du Marseillais Nefché Frédéric, de son petit nom, habille son texte de notes délicates et subtiles, mélange plutôt réussi. Celle des prairies imaginaires de mes rêves d'enfance que je n'ai connu qu'ailleurs. En fait, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé, tu vois, l'écriture en français. Et après, à côté de ça, j'aimais la musique, le rock, la musique électronique. Et si tu veux, j'allais dire que ma naissance, c'est un peu quand j'ai essayé de mettre les deux ensemble. Je m'accroche aux vestiges de notre idylle qui décline au sémaphore, au moindre rayon. Après, les mettre ensemble et que ce soit fluide et écoutable, ça c'est beaucoup beaucoup moins naturel, ça demande beaucoup de travail. Des nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouveaux sons à découvrir à côté d'artistes plus confirmés comme Albin de la Simone. Laissez-vous donc submerger par cette vague Frenchie.